Hey, 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 cucu, mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. Je préfère vous prévenir, il risque d'avoir des petits bugs à l'enregistrement. J'ai repris l'enregistreur que je prends depuis toujours. Et même là, si j'ai pris de l'avance et tout, il y a quand même des fois des petits drops de 1 ou 2 secondes. Donc j'espère que ce sera quand même compréhensible et suivable. Je le croise les doigts. En tout cas, je vais enregistrer et je verrai bien ce que ça donne après. Donc, croisez les mimines pour que ça fonctionne bien. Ce serait dommage d'arrêter au super parce que je n'arrive pas à enregistrer correctement. Ce serait vraiment très dommage. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on va continuer l'émission de Garden Flipper comme d'habitude. On a encore 2 mails. On a Edward Book. Il faut se débarrasser définitivement de la pelouse. Ça, c'est cool. Et Wislow, no wow wish, okay? Transformer le désordre du chantier en un lieu de travail et de détente. Je pense que celui-là va être long. Bah, je pense peut-être celui-là aussi. Donc, on va aller voir ça. Il faut se débarrasser définitivement de la pelouse. Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous par rapport à un sujet très problématique pour moi, à savoir mon jardin. En simplifiant, mon jardin me pose un gros problème. Je n'ai pas le temps de tondre la pelouse. Oh non, pitié. Je suis écrivain, je passe mon temps à travailler. Pour accélérer les choses, j'ai donc essayé de brûler l'herbe. J'avoue que ce n'était pas la meilleure idée. J'ai fait brûler ma maison à outils. S'il vous plaît, créez un jardin moderne avec du gravier où je pourrais travailler. L'efficacité et le temps sont essentiels pour moi. De plus, j'ai entendu parler que ce n'était pas tout à fait légal de brûler de l'herbe, cordialement. Allez, on va voir dans quel état il a mis sa maison. Ah oui, d'accord, il a fermé une partie de la baraque. Alors, nous voilà à la maison du monsieur. C'est vrai que c'est pas tip-top. Regardez-moi ça. Disperser la surface gravier, nettoyer les salissures, mais ça n'est qu'est-ce qu'il m'a fait ce monsieur? Il a cramé sa maison, regardez. Il a cramé sa maison. Il y a des gravats partout. C'est crade. Oh là là. Oh, les petites chaises comme ça, c'est trop cool. Mais oh, regardez, il a cramé aussi l'arbre, je suis sûre. Est-ce qu'on ne doit pas couper l'arbre? Ah ben voilà, ben, je l'ai enlevé. Zut alors, je pensais pas que Ok, bon, écoutez. Oh, c'est joli, ça. Regardez comme c'est joli, c'est bien fait. Ah, oh, c'est sympa. On peut faire vraiment des trucs sympas avec le jardin. Hein. Franchement, j'aime bien hein, cette idée. Bon, il faudra vraiment que je me fasse mon jardin de ma propre maison. Hein. J'oublie pas, hein, je le ferai en live, mais pour l'instant, je n'ai pas de date définie là-dessus. Donc voilà. Bon, alors. Nettoyer les salissures. On va déjà nettoyer les salissures. Donc du coup c'est ici. Donc on va nettoyer au jetteau, j'imagine. Punaise, il aurait pu le faire. Hein. Ah, je pensais que c'était des trucs qu'il aurait fallu replâtrer et en même temps, vous savez, replâtrer, repeindre et tout. Mais en fait même pas. Là aussi du coup c'est salissures au jet d'eau. On sait qu'on a dit notre petit balai magique, mais ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le balai magique, hein. Ça, c'est à l'intérieur des maisons, le balai magique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une maison, hein. Est-ce que ça vous manque? La déco, une maison et tout. Mais c'est bien, ça fait une pause et tout. Et puis là, ben, quand je vais reprendre, ça m'aura manqué. Et puis, ben, c'est cool, quoi. Ça, on va bientôt y arriver, je pense, de toute façon. Les missions, elles vont pas trop trop durer, je pense. Du moins, je ne sais pas. En tout cas, ici, je crois que c'est nickel. Ok. Alors, on va enlever les mauvaises herbes ici. Cas, le jeu n'est pas en train de planter à moitié, donc c'est cool. Est-ce que c'est tout? On est bien? Disperser la surface, gravier coloré, planter 2 herbes décoratives et planter d'herbes décoratives. Et ici. Gravier unicolore et gravier coloré. Comment je vais faire ça? Du coup, il faut que je pense que je fasse à peu près la même chose qu'il a déjà fait, le mec. On va voir gravier coloré. Surface. Gravier coloré carré.
Attendez, je vais prendre en carré, ça doit être la même chose que ça. Ouais, c'est la même chose. Bon, je vais faire comme il a pris lui, et puis on verra. Ah, c'est parce qu'il faut pas que j'en mette. Ah, mais même si je déborde, ça va pas déborder sur les. Ça, c'est bien, parce que moi et ma précision à 2 francs 50. Vous connaissez. Attention, attention. Shirley Enterprise. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est droit? Oui, c'est droit. Ça, c'est cool. Donc là, maintenant, je peux remplir. Gravier coloré 98%. Ça, il est un peu chiant, ce qu'il faut complètement. Ok, il est content. Alors, on va tout de suite, je pense, faire le gravier ici, qui est du coup unicolore. Et ça, on va essayer de faire le même que là-bas. Unicolore. Ça doit être celui-là. Carré. Je vais voir ça. Ouais, c'est celui-là. Ok, ça c'est cool. Je dois le faire là sur cette grande truc là? Ok. Au moins ça va être bien. J'aime bien que quand il y a une bordure comme ça, c'est plus simple pour appliquer. Bon, j'ai essayé d'aller droit. Ça n'a pas très très bien fonctionné. J'ai un peu dépassé ici. C'est pas grave, on va faire le raccord. Du coup, j'ai enlevé 4% là. Bon. Bah ouais, mais bon, c'est pas aussi simple que ça, hein. Parce qu'à côté, c'est cette barrière. Voilà, c'est plus propre. On est content. Ça m'embête, c'est ici, hein. J'ai envie de le refaire. La meuf, elle est pas contente. Gravier coloré. Ben non, mais je l'avais fait nickel et tout, et puis voilà, ça m'a. Quatre-vingt-dix-sept, c'est abusé hein, pour 3% quand même. Quatre-vingt-dix-huit. Comment il calcule? Ok, c'est bon. Non, pas le jet d'eau. Alors, et ici, je dois planter des herbes. Là aussi, je dois planter des trucs. Ouais. Mais on va planter ici, je préfère, c'est le bord. Planter herbe décorative, hauteur 0,50. Herbe décorative. Décorative. Hauteur ça. Ok, c'est ça. On voit pas trop, mais il m'en faut 4. Une. Deux. Et trois. Et quatre. Est-ce que ça vous va, monsieur? Ok. Il y en a une qui est pas compris. Ah bah oui, parce que je l'ai pas. Oh, mais quand même. Hein. C'est celle-là qui est pas prise. Mais bon, là j'ai fait. Ok. Ici. Alors, herbe décorative hauteur 0,5, toujours là. Bon, je vais changer, je vais pas prendre, je vais prendre celle-là.
Il m'en faut deux. Bah, je vais mettre la pile dans les trous. Oh, c'est pas terrible, hein? Vous voyez quelque chose, vous? C'est juste des petites. Un petit peu de feuillu, mais pas très. Voilà, hein, c'est pas. On a vu mieux quand même en matière de fougère. Herbe décorative étalée, hauteur 0,5. Donc ça, on était tout à l'heure, on l'a vu. Décorative étalée, ça. Oh, oh oui, d'accord. Ah bah celle-là. Alors, il nous en faut 4. On dirait des grosses araignées. Ah, tu vas. Comment je peux faire un truc joli? Alors, une. Deux. Trois. Quatre. C'est un concept, hein. C'est pas forcément très, très joli, mais bon, c'est fait au moins. Là-bas, il n'y avait rien à faire. Ici, non. Par contre, c'est ici. Gravier bicolore. Ok. Gravier bicolore. Surface. Agrégat de pierre. Ah non, là, c'est coloré. Ah, bicolore. Celui-là. Est-ce que j'ai un élément de comparaison pour pas faire n'importe quoi? C'était sur la maison, sur le côté. Oh, ça brille. Ouais, c'est celui-là. Ok. Je voudrais pas faire n'importe quoi, ouais, quand même. Ok. Donc, bah, allons-y, allons-y, hein. Là, il y avait une. Excusez-moi, madame. Mais ici, il n'y a rien. Voilà. Il y avait une petite ligne de séparation des parcelles. Bon, je dépasse, hein. Ça dépend, ça dépasse. Voilà, ça va. Bon, mon enregistrement a l'air de suivre. Ce qui est pas plus mal. Bon, alors, du coup, pendant que. Parce que là, l'agrégat de pierre, hein, voilà. De quoi je pourrais bien vous parler aujourd'hui? Ça fait un moment que je vous ai plus trop parlé, j'ai l'impression. Je sais pas trop pourquoi. Hein. Je sais pas. Bah, au niveau série. J'ai été en fait pour la série Stranger Things qui a eu la saison 3 qui est sortie, bien sûr, je l'ai vue. J'avais gagné des places pour aller à la Stranger Night au Grand Rex, qui était donc à Paris au Grand Rex. Et en fait, ils ont diffusé toute la saison 3 d'un coup dans la même soirée. C'était excellent. Et en plus, donc, déjà la série et la saison a été ouf. Et en plus, il y avait une ambiance dingue. C'était hyper cool. Et puis, il y avait des acteurs qui sont venus, en fait. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps. On les a vus vraiment 5 minutes chrono. Ils sont venus sur scène. Ils ont répondu à une question qui n'était même pas du public. Et après, ils sont partis. Mais j'avoue, ça fait trop, trop plaisir de les voir, quoi. C'était trop cool. Il y avait Nancy, Steve, Jonathan et Mike. Franchement, Steve et Jonathan, oh, ils ont l'air tellement cool. Jonathan, enfin je vous parle, c'est pas leur vrai nom. Jonathan, il a l'air timide et tout comme son perso, il est trop mignon. Et Steve, il a l'air tellement génial. Oh là là, mais ça m'aurait trop plu de les rencontrer, de leur parler un petit peu en fait, genre en convention et tout, ça aurait été vraiment trop cool. C'était vraiment top, il y avait une putain d'ambiance. Et comment dire, je sais pas, c'était vraiment trop bien quoi, c'est. J'ai adoré. Puis en plus, j'ai gagné un truc. Attendez, c'est herbe décorative. Herbe décorative, hauteur 2 mètres. Oui. Ok. Ah d'accord, il fallait que je tape carrément le nom. Ah oui, ça, des petits plumeaux comme dans les Sims. Oui, donc en fait, il y avait des jeux et tout.
Il y en a qui ont fait des cosplays et tout ça, c'était super sympa. C'est un mec la quarantaine bien passé qui était déguisé en Bob en fait, comme dans la saison 2, qui a gagné. Donc, ce qu'il avait réussi à faire scander toute la salle, Bob, 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 c'était hyper sympa. Et en fait, il faisait des jeux et puis en plus, à un moment donné, il jetait des cadeaux aussi. Il y avait des t-shirts et des pops, des figurines pop de Stranger Things. Et j'ai réussi à choper une pop, donc c'était vraiment miraculeux, hein. Elle m'est littéralement tombée dans les mains parce que comme j'étais très très bien placée par rapport à la scène, j'étais au deuxième rang et tout le monde s'était réuni en fait vraiment en bas de la scène pour récupérer. Et la pop allait tomber dans les mains, sauf que tous les doigts étaient dressés, donc en fait ça rebondit sur les doigts et les mains des gens. Et donc la boîte elle est juste tombée et moi j'ai tendu les bras et elle est tombée dans mes mains. J'étais là, ah, j'ai gagné une pop! Donc c'est ma toute première figurine pop et c'est celle de Max dans la série, donc elle est tellement cool. Enfin, je suis trop contente quoi. C'était vraiment une pure soirée, il y avait une pure ambiance, c'était vraiment trop bien. Donc voilà, et puis la saison elle est ouf quoi. Et bon, là, je suis pas très ravie de la fin, mais ça ouvre des possibilités aussi. Et la saison 4, qu'est-ce qui va se passer quoi? À mon avis, ça va être bien. Normal, c'est Stranger Things, donc voilà. Alors, deux arbustes de conifères, forme irrégulière. Je suis obligée de me concentrer parce que sinon. Attendez. Conifères, arbustes, forme irrégulière. Ça. Ok, tu vas prendre ça. Du coup, je papote, hein, mais. C'est bien, il aura un jardin sympa quand même. C'est bien en fait de découvrir un truc comme ça. Avec l'émission, c'est qu'on peut vraiment faire des jardins différents en fait. Et ça peut rendre super sympa. Voilà. Oh non, c'était cool. Voilà, j'avais gagné. Comme j'y allais seule, j'ai fait venir une meuf qui était sur Twitter, qui m'avait vu, que j'en parlais à un ami, comme quoi il pouvait venir parce que j'avais une place. Et bah, elle était avec ses copines et tout. Moi, je dis, vas-y, j'ai une place. Je vais pas. Voilà, ce serait dommage, si, même si j'y vais seule, de ne pas faire profiter quelqu'un, en fait. Donc voilà, donc elle était ravie, elle était avec ses copines et tout. Voilà, quoi. Alors, le gravier bicolore ici aussi. D'accord, on va recommencer le gravier bicolore. Tan, 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 tan. Surface de sport, non. Gravier bicolore. On va prendre celui-ci. On va pas trop faire de couleurs différentes, hein. On va rester. On va rester sage. C'est pas grave si on en met sous la maison. Regardez. Ça, il y a moins de risques. Avec. Il n'y a pas de plantes qui poussent et tout ça, quoi. Regardez, voilà, ça passe sous les dalles, c'est trop bien. Ça, c'est good. On est à arbuste à port étalé hauteur. Alors, arbuste à port étalé hauteur 0,5. Arbuste. Hauteur 0,5. C'est ça? Ouais. Hauteur 0,5. Oh, je verrai bien, hein, si c'est pas ça. Il me le dira. Apparemment, je me suis déjà planté de trucs, donc. Herbe décorative, hauteur 1,5. Ok. Oh, horreur? Hauteur? Oh là là, ça ne va plus. Mais. Hauteur. Bon, ok, j'ai compris, on va chercher dans les plantes. Sauf que c'est trop. Herbe décorative, hauteur 1,5. Suis concentrée pour pas oublier ce que c'est le machin.
Ah, c'est ça. Oui, c'est la même chose que tout à l'heure. Tu vas prendre celui-là. Herbe décorative, hauteur 1,5. Vérifie. Oui, c'est ça. On va planter celui-là. On va voir aussi si j'ai bon pour celui-là. Excusez-moi, oui, c'est bien ça. Le petit choum qui passe bien. Ah, c'est naturel ici, c'est. Tout est naturel dans cette chaîne. Oh la vache. Ouf. Ok. Bon, voilà, on a encore fini une nouvelle petite partie. On va s'attaquer maintenant à cette partie ici. Il y a énormément de trucs à faire, hein. Je crois que ça va être chaud. Gravier bicolore et quatre herbes. Après, au niveau des trucs plantés, c'est pas trop compliqué. C'est surtout qu'il faut bien mettre le gravier bicolore. Mais en fait, attendez, j'aurais pu dépasser. Et je suis dégoûtée. Gravier bicolore. Je fais tout bien et tout, et puis voilà comment on me remercie. Attendez, puis je vais déjà aller voir là. C'est du bicolore aussi. Et je me suis cassé les fesses pour pas dépasser. Mais en fait, ça sert à rien parce que c'est le même machin partout. Wow, ça me tue. Excusez-moi, j'ai l'air mal à la tête parce que je vais aller dans tous les sens. On va quand même essayer d'aller droit. Ah, et ici, c'est quoi? Unicolore, ok. Donc là, je dois pas aller trop dépasser. Enfin, je vais dépasser. Je vais quand même aller jusque... Hein? Tout ce que je veux, c'est pas de ton de la pelouse parce que c'est chiant. Ils l'ont pas remarqué. Le gravier, c'est déjà. C'est quand même relou un peu. Faut avoir le temps, hein. Hein, parce que je repense toujours à quelqu'un qui m'a mis en commentaire pourquoi tu coupes quand tu fais tes maisons et tout. Le temps que tu fais les maisons, bah. Vous voyez, le temps déjà de mettre le gravier et tout. Je veux dire, quand on fait la peinture et tout, c'est long. En plus, il faut. Moi, je fais des tests et tout. Je pose un meuble. Je vais dire non, j'aime pas. Je refais là et tout. Mais 8 heures, quoi. Je fais une maison en 8 heures, 9 heures. Vous n'avez pas le temps de regarder ça, honnêtement. Je veux pas être méchante, mais vous avez autre chose à foutre que de regarder une vidéo de 8 heures. Il n'y a personne qui regardera une vidéo de 8 heures. J'ai quand même eu des courageux qui m'ont maté un stream de 4 heures sur les Sims. Voilà, moi, j'avoue, au bout de 4 heures, j'étais déjà claquée. 4 heures en live. Surtout que c'était la découverte d'un pack et tout, donc j'avais toute l'émotion, j'étais super content, j'ai crié, j'étais trop bien et tout. C'était vraiment très très sympa, mais donc j'étais claquée quoi à la fin du truc, je suis waouh, ça m'avait déphasé quoi, 4 heures. Et j'ai quand même des gens qui ont regardé la rediff et tout, en plusieurs fois évidemment, parce que 4 heures, quand même. Mais c'est pour ça, déjà je fais des lives de 2 heures. Parce que je trouve que c'est trop peu, sinon 1 heure de live, on a le temps de rien faire. On n'a pas le temps d'avancer dans notre live, que ce soit une construction ou quoi, ok, c'est pas assez 1 heure. Et en fait, je culpabilise un petit peu, parce que je dis mince, ceux qui regardent la rediff et tout, 2 heures, c'est long. Mais en même temps, voilà. Voilà, c'est ça mon argument. En même temps, voilà l'argument de choc. Oh là là. Donc ici, donc je vais faire cette petite parcelle-là. 4 herbes décoratives, 0,5. Ok. Herbe. C'est ici. On va prendre celle-là. Et on en veut 4. Très bien, monsieur. Mais je l'ai enlevé! Oh! Bah alors, j'en jaune net. Ah non! Mon jeu! C'est bon. Il y a eu un petit freeze, j'ai quand même eu un peu peur là. Je sais pas, mon. Le jeu est peut-être beaucoup trop gourmand, je sais qu'ils ont fait une mise à jour et c'est peut-être à cause de ça. Mais qu'est-ce que. Mais j'en veux encore voilà, maintenant j'en veux plus. Ok, ça c'est bon. Ici! Nous voulons 2 arbustes de conifères à forme irrégulière. Arbuste de conifère, on va faire plante conifère. Arbuste de conifère, forme
irrégulière. Allez, très bien. Je vais m'en apprendre deux comme ça. Les autres, il faudra trois herbes décoratives de 2 mètres. Ok. Donc je vais mettre. Toi, je vais te mettre là. Et je vais te mettre de l'autre côté aussi. Hop. Ça, on en a deux. C'est bien ça. Et herbes décoratives. Hauteur de mètre. Sauf que je vais pas trouver herbes décoratives hauteur de mètre, hein, je le sais. Herbes décoratives. Ah oui, déjà. Hauteur de mètre, c'est celle-ci. Allez, on va prendre cette couleur-là. Et il m'en faut 3. Et 1. Et 2. Et 3. On est bien là-dessus, ok. Maintenant, je vais planter celui-là. Bon, j'avoue, c'est pas hyper intéressant de voir les missions de jardin. Hein. Enfin, je sais pas. Dites-le moi. Ça fait quelques jours que le dernier épisode est sorti. J'ai eu 0 com. J'ai l'impression que ça s'essouffle un peu, en fait. C'est cool pour faire des décos et tout soi-même, mais les missions sont longues, en fait. Je sais pas. Est-ce que le soufflet est retombé, tout ça? Est-ce que ça vous intéresse toujours d'avoir du House Flipper? Est-ce que vous préférez pas que je passe à autre chose à un moment donné? C'est possible, hein? Bon, il est pas mal ce jardin, non? On dit au revoir à de l'herbe, hein, quand même. Ici. C'est une grosse parcelle. Ouais, elle va jusqu'au bout. Et on veut du placer l'une grande piscine tubulaire. Oh, trop bien. Gravier unicolore cette fois-ci, les enfants. Surface. Carré. Allez. Surface carré. Je vais commencer ici. Faut pas, voilà, faire trop de bêtises. Faire ami-ami avec. Ouais, là je vais jusqu'au bout parce que j'avais dépassé. Ici c'est bon. Je peux en mettre. Voilà. Désolé, ça doit pas être agréable à regarder. Parce que moi je suis focus en fait. Donc c'est moins chiant pour moi que pour vous à regarder ce genre de. Voilà, quand je mets le gravier comme ça avec des grands gestes. J'essaie de pas te faire des ronds parce que c'est encore pire. Mince, j'ai dépassé. Puis après, on va me dire, oui, mais c'est gravier unicolore aussi. Ouais, bon, bah allez, je m'en fous, là, ça dépasse, allez. Non, mais au bout d'un moment, quoi. Je m'en fous de partout. Là, on a droit à. C'est du unicolore, là aussi. Donc, je mets. Là, c'est quoi? C'est bicolore ici, donc je vais arrêter, là. Parce que sinon, ça va pas le faire. Je vais faire le bord comme ça. Putain, je suis droite, pardon, excusez-moi, j'étais vulgaire. C'était top, j'étais droite et tout, ça a été un vrai plaisir. Tout, 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 tout. J'aime bien faire les allers-retours aussi, comme ça, c'est marrant. Ça se remplit au fur et à mesure et tout. Là, il y a encore un peu de poil qui dépasse. Voilà. Ok. Ici, il y a une grosse touffe. Puis après, on passe ici que j'ai commencé, mais pas fini. Mais bon. Ah, mais quel pied, en fait, de voir tout ce gravier. Regardez, c'est hyper clean. Ah ouais. Moi, j'aime bien l'herbe, hein, de base, mais là, je trouve que c'est sympa. On est en train de faire. Une antre de gravier, quoi. C'est vraiment adieu gazon, bonjour gravier. Et non pas Xavier. On va éradiquer les poils de pelouse. Hop! Épilation du maillot. C'est fait. Ah non, regardez! Il reste un bout là. Hop! Et le truc qui dépasse, ça c'est l'arbuste qu'on avait passé. De toute façon, il me dit que je suis à 100%. Et grande piscine! Je savais même pas qu'il y avait des pistouches! Enfin, qu'on pouvait les mettre, quoi. Piscis? Ok, d'accord. Piscine à contre-courant. Je regarde juste un. Ah oui, ah bah non, mais c'est pas une piscine à contre-courant. 10 000 euros quand même. C'est un jacuzzi, quoi, le machin. Attendez. Piscine. Grande piscine tubulaire, piscine pour enfants et petite piscine tubulaire. Donc on va prendre celle-là. Ah oui, d'accord.
Ah oh bah en blanc c'est bien comme ça ou en bleu? Ouais non en bleu. Ok. Ah ouais. Faut la place quand même. Tout le monde ne peut pas se permettre. Ça va, 105 euros la pistouche. Alors vu qu'il y a le passage aussi, je vais mettre un truc comme ça parce que je voudrais pas mettre bloquer le passage des dalles. Hop. Oh, ça vous donne envie d'aller vous baigner? Parce qu'il y a des petites dalles. Bon, même si on continue de marcher sur la dalle, voilà. On est ici, on a la machin, on peut rentrer là. Est-ce qu'on peut monter Non. Bah, c'est vrai que de toute façon, on peut pas vraiment. Oui, ça y est, regardez, je suis dans l'eau. Oui! Attendez. Et puis, on va faire illusion. Ouais! On est dans la pistouche! On est dans la pistouche! On est dans la pistouche! Nanana, nanana. Et les voisins, on est dans la pistouche, nous! C'était le petit délire de la pistouche. Voilà, je m'en vais. Alors, cette partie, c'était OK. Celle-ci, c'est OK. Ici, c'est du bicolore. Donc, on va reprendre le gravier. Finalement, cette mission est longue aussi, hein, vous avez vu ça? J'y peux rien. Bicolore, bicolore, c'est celui-ci. Il va commencer à faire nuit, en plus, dans le jeu, bien sûr. Sinon ça va, il fait encore jour dans la vie. J'enregistre, on est le 14 juillet. Voilà. Moi spécial, je m'en tape en fait du 14 juillet, mais alors comme dans l'an 40, hein. Sans être méchante, mais. Franchement, je m'en fous. Mais bon. Il y en a, ils font péter des pétards. Nanana. Ils sont contents, ils vont regarder le défilé. Alors moi, le défilé, en gros, j'ai eu les hélicos qui sont passés devant chez moi, enfin devant chez moi, au-dessus de chez moi. Donc en fait, je les ai vus rentrer à leur base. Voilà, je les ai vus il y a quelques jours, deux fois, je crois, où ils passaient. Ils rentraient surtout. Je les ai pas vus partir, mais je les ai vus rentrer. Ah, j'ai 98%. Ah ouais, il y a là. Et là, en fait, bah, ce matin, c'était la même, quoi. Enfin, ce matin, ce midi, je sais pas à quelle heure c'était, j'ai pas fait attention. Et puis voilà, bon. Wow, j'ai vu les hélicos passer, quoi. Et à mon ancien taf, en fait, je voyais les avions et tout, même tout, carrément toute la flotte qui passait aussi, qui s'entraînait. Et je les voyais passer, j'étais sur le Valois et à travers la fenêtre du taf, je les voyais passer et tout. C'était assez spécial quand même, hein, parce que c'était flippant. De voir, il y a certains objets, il y a certains trucs, bah, des hélicos qui me font flipper perso parce qu'ils ont une forme qui est trop chelou et tout et ça me met mal à l'aise de les voir, c'est mais voilà. Donc bon, moi après je m'en tape du 14 juillet, je fais rien de spécial quoi. Le feu d'artifice de Paris, je l'ai fait une fois, ça a tellement été le bordel. J'avais rendez-vous avec des potes, je les ai jamais vus tellement il y avait du monde, ils avaient bloqué les accès partout. J'ai dit ouais, ok, d'accord, no way, je le fais plus quoi. Ah, c'était beau hein. Mais toute seule et tout, en galérant pour rentrer, parce qu'ils avaient fermé la station de métro, donc il a fallu marcher. Non, j'ai dit non, ça ira avec les gens bourrés et tout. Non, mais non, non, non. Bon, les événements maintenant, comme ça, les gros événements sur Paris, je ne les fais plus, c'est bien dommage, mais c'est à cause des gens, quoi. Comme on dit, l'enfer, c'est les autres. Hein. Planter deux arbustes de conifères de forme ovale. Alors, plante conifère de forme ovale. Eh bien, très bien, on va te prendre, toi, deux arbustes de conifères. On va mettre un ici. Vous savez bien que j'aime bien mettre. De disperser comme ça. Et on va mettre deux herbes décoratives de 1,50 m. Très bien. Plante, maintenant que j'ai vu qu'il y avait ça. Herbes décoratives, hauteur 2,50 m. Eh bien, je vais prendre directement celle-ci aussi. Hop. Et hop. On est bien. C'est bien la bonne plante. Je vais planter celui-là. Il commence à faire nuit dans le jeu. Je l'ai déjà dit, d'ailleurs. Ah, ça y est. Je deviens vieille, je radote. C'est bien celui-là. On est content. On continue. Je pense qu'on a fini la mission là, non? Parce que je crois pas qu'il y ait de parcelles encore qui manquent des trucs et tout. Après, c'était propre et tout, donc je vais voir ça. J'ai pas suivi toutes les tâches. Ah bah oui, bah voilà. Toutes les tâches sont terminées. On a fini le jardin. Oh, franchement, c'est sympa. Puis regardez, du coup, vu qu'on. Bon, là, j'ai pas refait ça parce qu'il me l'a pas demandé.
D'ailleurs, c'est pas vraiment la même couleur de gravier bicolore, hein, mais bah tant pis, moi j'ai pas fait attention. C'est joli, hein, le ciel qui comme ça et tout, c'est très beau. Commence à avoir des petites étoiles là-bas dans le fond. Ah oui, regardez, les étoiles commencent à arriver. Oh, mais c'est trop beau! Franchement, ils sont doués hein, pour nous faire un joli jeu. Non, vraiment. Attendez, je vais allumer la flashlight, on verra mieux. J'aime bien l'ambiance que ça donne au jardin, les graviers différents et tout. Ça fait clean, clair, propre et tout. C'est hyper sympa. Ça change du moins d'avoir de la pelouse et tout. Voilà, c'était une petite mission rondement menée. Oh, regardez, il y a un petit truc qui bon, c'est pas grave, il me dit que j'ai tout terminé. Donc, on va vendre la mission. On va rendre la mission, hein. Et j'ai gagné quand même 19 300 euros. Donc c'est parfait, on rentre à la zombie. Et donc me revoilà à la maison, hein, bien sûr. Le jardin est toujours nickel. Avec la belle pelouse qui n'a pas repoussé depuis, ça c'est quand même positif. Et puis voilà, j'espère que l'enregistrement a bien suivi, qu'il n'y a pas eu trop de drop. Là je vois que je suis quand même, il a réussi à résister plus que 30, 40 secondes, donc c'est déjà ça. Voilà, alors moi je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir été là encore une fois pour ce nouvel épisode de House Flipper, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis bah n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. Regardez une petite pub sur YouTube pour me soutenir si vous en avez envie, évidemment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!